Oui, ça doit être pas loin de... Quoi ça? Dislocateur. Non, ça c'est pour binder, ça je sais, c'est pour se TP. Eh ben, je vais me renseigner. Quoi qu'il en soit, voilà, hein, tant pis, pour le moment, les upgrades, je vais les prendre sur moi. Tac, 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 hop, hop, hop. Ok. Il manque le jump boost. Enfin, j'ai pas fait le mouvement de... Je l'ai pas fait le mouvement speed. Ah, d'accord, ok, excusez-moi, j'ai pas vu. On va faire ça rapidement. Donc là, pareil, hop. Ok, et il me manque la... Voilà, les dernières RF Capacity. Contrôle to pause. Ouais, non, alors ça je sais. Ennuyeux cette histoire, je sais pas trop. Donc pour le moment, je vais l'enlever et remettre mon armure en. Est-ce que déjà, pour commencer, je sais qu'il y a 4 millions de voilà de. Je vais déjà commencer, c'est par la charger. On va commencer par ça. Même si je sais qu'avec les RF capaciteurs, il faudra que ça y repasse. Hop. Je l'ai mis là normalement. Non. Non, elle est dans le... Non, elle est dans mon backpack. C'est ça. Ah, mais attendez. Je suis peut-être tout simplement con en fait. Si je prends par exemple le casque et... Non, ça marche pas comme ça. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu marcher comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Ok, bon bah je vais me renseigner, mais on va faire un petit peu l'armure de Draconic Evolution. Autre chose, hein, parce que je fais plusieurs choses en même temps, mais résultat, si je demande mes disques, si le S veut bien passer. Hop, si je leur demande un. Il manque toujours des fils. Comment ça, il en manque 61? Il me manque un stack de fils. Sérieusement. Je pense que je vais le faire quand même, le craft automatique pour le pour la laine. Alors, processing. Donc, string. Dans le pulvériseur. On va prendre la laine blanche. Non, on va le réinitialiser.
celui-là. On va le mettre. On peut le mettre là, on s'en fiche. Et celui-là, du coup, on va le réinitialiser. Ok. Non, je suis con, attendez. Hop. Ça, c'est pas dans un crafter. Faut que ce soit dans un pulvériseur. Qu'est-ce que je pulvérise assez rarement? Le lapis, c'est la demande. Je vais mettre avec le lapis. Alors du coup, attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, de toute façon, je sais d'en crafter 8. Je sais d'en crafter 8. Oh, le calcul! Requestfeld. Trop complexe. D'accord. Ok. Alors, il y a d'accord, il y a une limite, mais je peux le faire qu'un par un. Mais en soi, je peux lancer si je veux un 16K. Est-ce que si je lui demande de m'en lancer deux, est-ce qu'il y arrivera? Il y arrivera. On va essayer de pousser sa limite un petit peu. Qu'est-ce qu'il manque? Des blocs de quartz. Tu sais pas faire des blocs de quartz? Compliqué ça pourtant, les blocs de quartz. On va mettre ça là. Pop. Donc, on recommence. 16K. Si je t'en demande 4, est-ce que tu es capable de me les calculer? Attendez, 1. One of the crafting. Il y a un conflit avec. Oui, effectivement. Effectivement. Mais ça m'embête un petit peu. Il me dit qu'il y a un conflit, c'est normal. Là, c'est celui-là. C'est parce que mon bloc de quartz. J'ai tendance à le pulvériser. Parce que dans le Nether, je vais aller récupérer des blocs de quartz régulièrement. Et je les pulvérise après. Tant pis, je peux vérifier à la demande et quitte à faire, et ben hop. Pour le moment, je vais le garder là. Je le remettrai à terme. C'est compliqué pour faire un 16K quand même. Hein, même si j'essaye d'en faire plusieurs d'un seul coup. Donc là, si je t'en demande 4, maintenant, est-ce que t'es ok ou pas? Ok, trop complexe. Donc. 4, il peut pas. 3. Il peut. Le 3, il peut, mais il a pas assez de quartz. Ah là 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 là. Ok. Il va me falloir plus de quartz. Bon, bah du coup. T'es bien gentil, mais tu vas me remettre mon quartz. Il est où? Hop. Et on va remettre ça au niveau du lapis. Bon. J'espère que ça va pas trop poser de problème quand je requesterai du quartz résultat.
Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'était juste histoire de voir. Mais je crois que quand même que je peux faire un seul 16K, je crois. Je crois que ça passe, un seul 16K. Ça passe? Oui, ça passe. Ça passe. Mais je crois que ça va me bouffer tout ce que j'ai en quartz, notamment. Ouais, je crois que ça va me bouffer tout ce que j'ai en quartz, c'est ça? Mais non! Mais non! Allez. Let's go. C'est pour le fun, hein. Franchement, pour le fun, et je le mettrai en premier et je bougerai l'autre disque ailleurs. On verra. Ok. Voilà, donc Draconic, je vais me renseigner. Ok, nique ta mère. Non, juste non. voilà, Draconic Evolution, on abdique. Voilà, il faut la table de craft à la con. Et alors, normalement, il y a le upgrade modifier qui existe, mais il n'est pas dans ce mode pack. Allez, voilà, hop, salut. Ça, c'est vite fait. Ah là là, non, c'est un mode de l'enfer, Draconic Evolution. Je viens de me taper. Quoi, une demi-heure de doc là, et j'en peux plus. non, juste non, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? Bon, ok. Ah, je vous jure. Bon, le 16 score, il en est où? En une demi-heure, il est le temps d'être fait, non? Non, il reste quoi? Non, ça fait un quart d'heure que j'y suis. Vous voyez, ça fait un quart d'heure que je suis sur la doc. Ça m'a paru être une demi-heure, hein. Ça fait un quart d'heure que je suis sur la doc et je m'arrache les cheveux. D'habitude je suis persévérant, hein, quand je lis une doc, hein, mais là c'est trop, là c'est juste trop. Bon, bah ça on va le laisser faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, de toute façon, là, j'attends que la d'avoir suffisamment de Johnny. Oui, ben, on va partir à la chasse. On va partir à la chasse. On va partir en. Alors, c'est mob. Hop, voilà, mob emprisonnement de tout. Alors, il va me falloir araignée et gardienne. Araignée et gardienne. Hop, toilette forêt, oh là, on va partir au spawn. Attendez, déjà, il fait nuit. Est-ce qu'une araignée serait dans le coin? Ça ferait déjà un mob sur les deux. Là, j'ai un squelette. Oh, puis il est en train de se lever. Là. Petite. Voilà. Déjà une araignée. Ok. Ensuite, on va partir à la chasse au temple. Alors. Ah bah super. Super, super. Là j'en ai un. J'en ai un. Super. Et bah voilà, salut. Non, c'est pas ça que je veux. J'y... Hop. Et retour à la base. Et bah ça aurait été rapide. Ça aura été rapide. C'est une bonne chose. Alors, et au niveau de mes... Hop, on va voir pour ici.
On va voir pour mettre un. Alors, active without restant signal. Ouais. Un petit levier. Alors attendez. Le spider. On va commencer par le spider. Donc levier, redstone. Donc je pars sous le même principe, c'est-à-dire quand il y a un signal de redstone, hop, voilà, mob, on va mettre ça là, mince. Parce que je voulais, bon, c'est pas grave. Ok. Ok. Un. Deux, trois, je l'ai pas eu. Une autre. Bon, j'ai déjà posé celle-là. Bah si, bah si, elles sont agressives là. Je savais pas trop si elles étaient agressives. Elles le sont. Bon, j'ai confirmation, elles le sont. Heureusement que c'est pas des caves spider que j'ai pris. Ok, donc une, deux, trois, quatre et cinq. Alors, je pense que j'en ai même une de trop. Alors. Oula. Ah zut, j'ai pas. Elles sont always actives. Parce que. C'est without. Without. Bon. Bon, bah, ça me fait deux araignées en trop. Ok. Maintenant, on va passer au Guardian. Alors, juste avant, c'est de la sandstone. Ouais, c'est de la sandstone que j'avais. Alors, sandstone, voilà, hop. On va juste faire rapidement.
au moins remplir ici, histoire que... Ah, d'accord. Ah non, c'est bon. Bon, voilà, c'est juste histoire que je retienne que ici j'ai rempli. Et on va passer à celui là-bas pour les guardianes. Mais le procédé va être le même. Hein. Là, par contre, je vais tout de suite les passer en without signal. Donc l'idée c'est simple, hein, c'est s'il y a un signal de redstone, alors c'est coupé. Je préférais faire comme ça. Ok, il me manque redstone. Ok. Profiter rapidement. Zut. Alors ça m'arrive de temps en temps. Voilà. Et le petit levier qui va bien. Ok. Et donc là, les gardiens. Hop. Bon, je l'ai. Pas eu. Décidément. Va t'oublier là. Allez. Oups. Hop. Suffit généralement de se mettre comme ça, voilà, et on arrive à les choper. Hop. On est à 4. Ah oui, c'est vrai que ça ramène aussi du poiscaille, cette merde. J'avais oublié. Ça va ramener un peu de déchets aussi. Hein. C'est vrai que j'y pense pas forcément. Mais bon. Ok. Bon, de toute façon, ils auront jamais le temps de me blesser avec leur rayon. Hein, le mob crusher est beaucoup trop rapide pour eux. Je suis très très serein dans cette cage. Donc on est d'accord, il m'en manque 3. Hein. Voilà. Donc ici c'est bon. J'ai dit aussi, donc les araignées. On va laisser tourner aussi. Et bah, j'ai déjà de la prismarine qui arrive, c'est cool. Hop, on va mettre un peu de sandstone. Histoire d'être. Voilà. Faut que je vois où est-ce que j'ai mis ma building wand. Est-ce que je l'ai rangée là-dedans? Non. Est-ce qu'elle est là? Et je sais pas où j'ai mis ma deuxième encore. Parfois j'en retrouve une, je perds l'autre. Je sais que j'en ai deux. Oh non, mais c'est pas vrai. Ça m'arrive encore ça. Hop.
Parfois, il met un peu de temps à réagir quand même, ouais, vu que ça tombe un peu en dessous, le mob crusher, il récupère pas forcément. Bon, je vais juste poser ça rapidement, le temps de... Hop, et après relancer. Mais je vais pouvoir faire mes tiers 5 assez rapidement pour le void miner. C'est un peu l'objectif. Après, je sais pas du tout ce qu'il faut pour le 6. Ça se trouve, pour le 6, il va me falloir des Nether Stars. Ça m'étonnerait pas. Mais j'ai de quoi produire ça. Je continue de farmer là-bas les. Hein, continue à spawner. Hein. Oui, les. Voilà, les. Les. Voilà, vous m'avez compris. Les Withers. Les Withers Skeleton. Ben voilà. Hop. Alors, ça se présente comment cette histoire? Bah déjà le stack je l'ai. Oh oui! Oh là là! Ah oui! Ah ouais! Ah ouais, le peu de temps que ça a tourné, j'en ai déjà 600 quoi. D'accord, ok. Non, mais ça me va moi. Ça me va, ça me va. Et j'ai 500 de Ionite. Est-ce qu'il y aurait moyen... si je fais tier 5... Euh, 64... ouais. Ah, ça demande déjà des Nether Stars. Ok. Alors déjà, premièrement, ce qu'on va faire, parce que je sais que je vais en manquer. Alors ici j'ai changé un petit peu. Ici j'ai mis un apporteur qui importe directement. Voilà parce que en fait même ce truc là faut que je le vire. Il est plus d'actualité. Hop. Voilà, c'est. Ça sert plus à rien ça. Hop. Parce que vu que j'ai un câble qui fait tout le tour ici. Alors j'ai un souci avec le wireless transmitter qui est près de la ferme à bois. Vous savez, j'en ai un ici que j'ai déposé. Mais à chaque fois que j'ai un arbre qui pousse trop près, il saute. Et du coup, ben ici, là, dans le secteur de la ferme à bois là, je n'ai pas accès à mon storage. C'est trop. Voilà, c'est pas. Bon, c'est pas grave, hein. Ça fait juste un trou dans la base où je n'ai pas accès. Hop, c'est parti. Ouais, c'est bon. Oui, et donc je disais, voilà, donc j'ai mis un exporteur en dessous qui amène les têtes et la Soul Sand. Et là, j'ai un importeur qui ramène les Nether Stars et un petit peu le bazar hein, quand il y a des Endermen qui spawnent dans la cage. Mais voilà. Voilà, c'est juste histoire de régénérer un petit coup. Sais pas si on peut les faire spawner avec un nom, les wizards, parce que je sais qu'on peut les renommer. Mais ça serait drôle de les faire renommer avec un nom débile. Mais bon. Et
Bah écoutez, allez, c'est parti. Je vais anticiper déjà le tier 5. Je vais même regarder un petit peu pour le tier 6, qu'est-ce qu'il nous faut. Tier 6. Donc tier 6, c'est le dernier, hein. Donc évidemment, hein, il voudra pas parce qu'il faut de la item. Donc la item, c'est ce qui est mené par le tier 5. Donc c'est ce qu'il me faudra. Mais qu'est-ce que ça demande en ressources un peu? Ouais, alors il va falloir plutôt que je regarde au niveau du structure frame. C'est surtout ça. Et... Ah oui, 3 Nether Stars quand même la pierre quoi. C'est, ouais. Ok, d'accord. Et ça demande des... Oui, bah oui, ça demande les... Oui, bah oui, ça demande les précédents, évidemment, c'est normal. C'est un peu le principe. Ok, mais en soi, le tier 6 n'est pas inaccessible. Bon. Pour le moment, on n'en est pas encore au tier 6, on en est au tier 5. Donc, il me faut les 6. Parce que je les fais par 6. Ok. Donc... Ça, ce sont les tiers 3. Alors, je sais pas pourquoi, par contre, ils n'utilisent pas forcément les anciens Void Ore. Normalement, il est censé les recycler. Il le fait pas forcément, donc j'ai une perte à ce niveau. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Est-ce que je peux en faire? Non, là, quand même, c'est un petit peu exagéré. Donc pour le moment, on va se contenter d'un stack. Espérons que ce soit suffisant pour faire un... Ah oui, mais il va falloir que je les démonte tous, de toute façon, les autres, pour les... Pour les décaler. Ou du moins que je démonte, je pense, 4 d'entre eux. Bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller, hop. Donc on a ça, il va me falloir l'assembleur. Ils sont où mes Void Miner de tier 6 là? Ils sont en cours, ils sont où là? Ils en sont où? Qu'est-ce qui manque? Oh, il est en train de faire cuire le... Ok. Niveau Wither Skeleton. Voilà, j'ai mis tête de squelette. Donc, on divise par 3. Ça va me faire 300 Nether Stars à peu près. Ça va faire 333 à peu près Nether Stars, je crois. Voilà, c'est. Bon, voilà, c'est tout. On va les faire. Vous vous rendez compte qu'il va y avoir 300 Wither de spawner et de tuer sans que j'ai rien à faire. À part activer un levier. C'est. Ah! C'est ridicule ce mode. Ce mode c'est assez violent. En vrai, je suis en train de crafter ça, mais est-ce que je ne laisserai pas encore un peu tourner? Parce que là, j'ai encore besoin d'ionite, mine de rien. Et en vrai, pour le moment, les ressources, ça va. Les ressources, en vrai, je suis en train d'augmenter pour augmenter, en fait, parce que c'est pas forcément utile. Ça produit énormément, hein. Même avec les Crystal Lens, ça a du mal à suivre à ce niveau, hein. Surtout au niveau de tout ce qui est biome aplenty, c'est en train de s'accumuler. Le pulvériseur, il arrive pas à suivre. Donc j'ai un petit souci au niveau de biome aplenty. Après l'ardite et la cobalt, bon bah ça j'en vois dans Tinker ça. Pour le moment, voilà. Pour le moment, c'est encore une ressource que je traite manuellement, même si en plus je m'en sers même pas, parce que c'est juste pour faire des outils Tinker que je me fais pas. Donc, Ah, quand je suis ici, je suis trop loin des Wither. Bon, ok.
C'est sympa quand même hein, de voir ce nombre augmenter sans rien à faire. Ah là là là. Ça va me faire 500 Netherstars au total, ouais, j'aurai largement assez pour faire mes tiers 5 et peut-être une grosse partie de mes tiers 6. L'avantage, c'est que les structures frame, là, si je démonte les structures frame de tiers 4, après, je peux les recycler en tiers 5. Ça les accepte. Par contre, les contrôleurs, ça passe pas. Ça ne passe pas, ça ne veut pas, je sais pas pourquoi. Parce qu'à mon avis, ils doivent être chargés en énergie. Et ils l'apprécient pas. Ouf. Et où en est notre Seska là? Je l'ai pas vu. On est à 40 minutes et on est qu'à 12% du craft. Cet enfer! Ah mon dieu. Ah oui, putain, il faut que je fasse cuire 5000 de. Ah oui, ben d'accord, faut que je fasse cuire 5000 de. Ah oui, ben d'accord, ok. Donc en gros, le. Mais. Mes void contrôleurs, je suis pas prêt de les avoir là. Le 16K, il prend trop de. Il prend trop. Bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, voilà, on va laisser tourner. Voilà, avec les quelques ressources, voilà, que j'ai ramenées. Il va falloir aussi que je remette un toit en verre. Il y a des toits en verre hein, là, hein, c'est juste que ça se voit pas forcément. Et niveau string, comment ça s'organise? Ouais, encore. J'ai l'impression que c'est pas spécialement ouf à la vitesse à laquelle ça va, hein, mais bon. Est-ce que. Ouais, de toute façon, voilà. Niveau des guardians, que je dise pas de bêtises, les déchets que ça génère. Ah, d'accord. Je vois le genre. Donc pareil, ça va être. Oula, d'accord, ok. Ouais, donc il va falloir aussi que je bouge derrière. Ça, je suis pas obligé de le faire pour tous les mobs. Mais pour une grosse partie d'entre eux, je suis obligé de boucher derrière. Sinon, ils s'échappent et. Enfin, ils se mettent derrière. Les ressources tombent là et. Ça lag à terme. Hop. Bah, je vais faire la même chose pour les. Mais j'ai fait ça pour. J'ai pas fait ça pour tout le monde, je crois. Si, j'ai fait ça pour tout le monde. Non, vous voyez, par exemple, les wizards, c'était pas utile. À cause du tuyau, ils peuvent pas tomber. Mais les guardians sont assez petits pour pouvoir se faufiler en dessous du tuyau. S'il y a un trou derrière, en fait. Bon. C'est vrai qu'on en voit un tomber sur le côté parce que d'habitude on en voit de temps en temps. Voilà, un tomber sur le côté, voilà. Ah, c'est cool. C'est cool quand même, c'est cool. Hop. Pas mes structures blocs, résultat, je vais les renvoyer là-bas. Je vais remettre aussi. Hop. Mon Infinity Drill. Qui a 7 milliards et quelques. Bon. Voilà. Bah écoutez, cette chronique, je la coupe là. De toute façon, là maintenant, c'est de l'attente, c'est de l'attente. Je vais peut-être. Alors, je me suis renseigné sur. RevTool.
C'est compliqué, mais si j'arrive à le maîtriser, c'est juste débile. On peut se créer des mondes entiers remplis de ressources. Donc je compte, pour être franc, hein, dans mes petites idées, il y aurait potentiellement se faire un monde entièrement de Block of Thunderpearl. Voilà, histoire qu'on mette un builder là-dedans, on ramène des milliards de Block of Thunder, on les stocke là-dedans, et puis voilà, c'est bon. Mes Thunder Generators, ils tourneront à vie. C'est pas un problème, quoi. On peut se faire ça. On peut se faire ça, et là, dans ce cas, le spawn même d'Enderman, c'est un. En fait, je mettrais des lampes dedans pour l'annuler, et je réaménagerais dedans. Parce que ce serait. Ce serait absurde, ça servirait plus à rien de. En fait, ça perdrait même l'intérêt d'être dans l'End pour le coup. Parce que je vous rappelle que l'intérêt de faire cette base dans l'End, c'est que la base, pas la base, mais la base du projet, c'est de pouvoir exploiter justement le spawn d'Enderman comme ressource d'énergie. Ainsi, on a une énergie quasiment illimitée. Et après, c'est que de la gestion de ressources. C'est le principe d'être dans l'End, c'est qu'en fait, avec le spawn automatique, puis en plus, il faut avouer que j'ai abusé sur le spawn, hein. Sur la zone de spawn, j'ai abusé. Comparé à Direwolf 1, j'ai clairement abusé. Mais bon. Voilà. Il y a les modifieurs là, pareil. Je me suis pas vraiment penché sur le sujet, mais je sais qu'il y a les modifieurs. Faudrait que je regarde parce que maintenant je peux en faire des modifieurs de Environmental Tech. Notamment le spin modifieur. Qu'est-ce qu'il me faut là? De la lance d'Hérite. Un nul modifieur. Du Mika. Le Mika. Ah, il faut que je fasse des void ressources. Ah, donc c'est pour ça que je n'ai pas de Mika. Donc je peux pas faire mes. Ouais, il me faut du Mika pour ça. Il me faut du Mika pour les autres modifieurs. Donc à savoir notamment le speed, alors c'est pas luck, mais il y a accuracy, et il y a. Non, il semble que c'est ça, hein, c'est speed et accuracy, hein, qui sont utiles pour les. Parce qu'il n'y a pas la notion de fortune, je crois. Hein. Accuracy, en fait, c'est fortune. Donc c'est ça. Donc, mais il faut du Mika, et par conséquent, il faudrait que je fasse la même chose en fait, mais avec un ressource miner et pas un void miner. Donc, j'en ferai peut-être un de côté, parce qu'il n'y a pas que les. Parce qu'en miner, dans Environmental Tech, il n'y a pas que les voids. Si je vais dans Environmental Tech. Il y a donc évidemment voilà les Void Ore Miner qui sont donc ceux sur lesquels je travaille depuis un bout de temps. Mais après il y a les Void Ressources Miner aussi qui ramènent d'autres choses. Et il y a les Void Botanique Miner qui rapportent plus des. Voilà, du bois. Voilà, ils rapportent tout ce qui est végétaux en fait. Y compris. Bon, il y a tous les types de bois, ça évidemment, mais voilà, il y a du cactus. Ah non, c'est du giant flower. Enfin voilà, c'est quoi ça? Biome Plenty. Voilà, il y a des. Voilà, tout ce qui est végétal des autres modes, ça peut le ramener quoi. Mais je crois que ça peut aussi ramener les cactus, les. J'ai vu de la pastèque, je crois. Non, c'est des livres, ça. Mais ça peut ramener, voilà, blinde de trucs.
Donc voilà. Mais les ressources mineures peuvent être intéressantes aussi, même si en vrai ça va ramener beaucoup de merde. Faut dire ce qui est. Le void ressources miner, il va ramener énormément de merde. De la stone, du granit, voilà, granit diorite par exemple. C'est gentil, l'andésite, c'est pareil, c'est gentil, mais non, j'en veux pas quoi. Pareil, de la grass block, du puzzle, rien à carrer quoi. Enfin voilà, va falloir faire des filtres quoi, parce que sinon, bon, l'obsidienne ça peut être intéressant. Mais voilà, ça peut ramener des blocs. Voilà quoi. Et ça, c'est le tier 2, hein, mais le tier 6, pareil, hein, c'est tout un monde, hein. Hop, ah non, c'est pas plus de. Je pensais que c'était plus que ça, mais voilà. Et donc, ouais, il y a le Mika avec le weight laser machin. Voilà, faudrait faire un. Ça coûterait combien ça à faire? Admettons un tier 3. Un ressource miner de tier 3. Non mais attendez. Hop. Oui, parce qu'à chaque fois il faut les tiers précédents. C'est pareil ça, c'est sinon c'est. Mais en soi, ça coûte pas spécialement plus cher. Qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce qui change? C'est ce bloc-là qui change, c'est ça? Là c'est un bloc de diamant et là c'est de l'obsidienne. D'accord, ok. C'est juste le bloc-là qui change pour faire pour choisir ce qu'on fait en miner, quoi. Et pour le. Voilà, il faut du chorus pour les botaniques. Donc de toute façon, faut passer pour botanique. Voilà, il faut obligatoirement être dans l'end, vu qu'il faut des chorus. Bon. Voilà. Ouais. Oula, je suis en train de voir, mais. Il va falloir que je te redécompresse du sable, à mon avis. Ah non, c'est là. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop. Ici, ça lag toujours autant. Ici, ça produit. Il n'y a pas de souci. Ça continue de produire. Il n'y a pas de problème. Donc, de temps en temps, voilà, Voilà, j'ai du oil qui arrive. D'ailleurs, là, ça. J'ai une belle quantité. Enfin, une petite quantité quand même. Ben, voilà, je m'en sers pas. Mais c'est là au cas où. J'ai arrêté la machine de. Voilà, je l'ai mis en. Je l'ai arrêté pour le moment. Parce que j'avais. Voilà, j'avais suffisamment de. Ouh. Ouais, ok, c'était juste un bug visuel. Du slag. J'en avais des alentours de 9K à l'instant. Voilà. J'ai 9K de slag. Voilà, je calme le jeu. Ça me consommait un peu trop de sable. Pour le coup. Donc voilà.
Bon, et ben sur ce, je vous dis à plus tard.